Non, est-ce que vous êtes vraiment prêt pour le cosplay? Tout d'abord, nous allons remercier Nintendo et Warbla.ch qui fournissent comme prix à Bulle Japon des consoles et du matériel de cosplay. Merci Nintendo et Warbla.ch. Nous allons maintenant assister au concours de cosplay en solo et en groupe. Et pour vous présenter cela, merci d'accueillir la belle, la merveilleuse Fairy. Fairy, c'est à toi. C'est pas si... Merci Diana pour les... Bonjour à tous. On est vraiment désolés pour le retard qu'on a pris. Ah, on se calme, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour déjà, bonjour. Ça c'est la politesse. Donc on a pris beaucoup de retard et on a énormément de cosplayers qui doivent passer aujourd'hui sur scène. Donc on va faire très 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 vite. Donc aujourd'hui on a des solos et des groupes qui vont être mélangés. Demain il y aura un concours solo avec les sélections Eurocosplay, ECG, Yamato, qui sont des concours européens et internationaux. Dimanche on a le concours groupe plus les sélections ECG groupe. Et lundi on a le Polymanga Global Histoire Cosplay édition numéro 2 avec du lourd, méga lourd. Donc j'espère que vous serez là lundi pour venir voir tout ça et les autres jours. Je vais tout d'abord vous présenter mon jury qui aujourd'hui va juger les cosplayers. Donc je vais les appeler mon jury. J'appelle Maki qui arrive et qui nous vient de la Belgique pour juger le costume. Et Maki en plus, donc il y a quoi, deux semaines? Deux semaines, donc elle sera la représentante belge à l'ECG donc de cette année. Donc elle sera qui sera son concurrent suisse, entre guillemets, demain. Voilà, on peut l'applaudir bien fort, Maki. Ensuite, je vais appeler de la Suisse, Sid. Sid qui vient aussi. Donc pour sa première fois au jury, donc elle va tester un petit peu. L'année dernière, elle a été représentante suisse à l'Eurocosplay. Et enfin, je vais finir avec la France, comme ça on a un jury vraiment France, Suisse et Belge. Je vais vous demander d'accueillir CK qui a un... J'ose même pas vous donner son palmarès parce qu'il est assez costaud, mais je sais que dedans il y a, je crois, au moins deux fois la représentation au World Cosplay Summit. Il y a eu le CG Group qu'elles ont remporté donc en groupe avec ses partenaires il y a maintenant deux ans. Voilà, donc toutes les trois ont un très très beau parcours. Je vous demande de les applaudir encore une fois, elles vont aller s'installer. Alors, vous avez les escaliers qui sont juste à votre droite et vous pouvez descendre. Faites attention, s'il vous plaît. S'il y a des gentlemen qui veulent les aider à descendre, ce serait sympa. Ah, l'apéro, oui! Alors, aujourd'hui, j'ai pas le temps pour l'apéro, mais demain, je fais gagner des apéros pendant le cosplay. Promis, demain, je fais gagner des apéros. Et la roue, arrêtez d'espérer, en 2017, ça se fait plus. Merci. J'adore venir en Suisse, c'est vrai que c'est trois. Apéro! Il y aura du jus de fruits pour les enfants demain. Allez, on va commencer parce que comme je vous disais, on a énormément de passages. On a à peu près 19 groupes et 14 individuels. Donc ça va être lourd. Je vais commencer donc avec un film de l'univers de Tolkien, qui n'est pas le Seigneur des Anneaux, mais qui est l'autre. Il s'agit du Hobbit, avec les personnages de Kili et Fili qui arrivent sur scène. Comme toujours, vous êtes le meilleur public, prouvez que vous êtes toujours le meilleur public. On les applaudit bien fort.
you followed me. One last time. Merci au groupe. Donc, le Hobbit. On va passer maintenant à un solo, un cosplay solo tiré, je vais mettre un peu plus vers la mienne, tiré du jeu vidéo online Fire Emblem Fates, qui a priori cartonne pas mal, hein, avec le personnage de Camilla qui arrive sur scène. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Merci, merci. On continue avec un groupe tiré du jeu vidéo Fable. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu dans la salle quand même. Donc Fable de Lost Chapters. C'est assez original, moi j'aime bien. C'est de très beaux costumes. Et ça arrive sur scène dans quelques secondes. Je vous demande de les applaudir bien fort. Away from you all, Jack of Blades is back.
Alors, ça va être l'instant publicité parce qu'on a un petit peu oublié de placer deux kakémonos. Alors, je suis sur Weezumbly, du coup, je lis un petit peu les bêtises que vous envoyez, au passage. Et il y en a une qui m'a tuée. Au début, il y avait quatre éléments, le tissu, le métal, le plastique et la vodka. Ensemble, ils formaient un plus puissant, le Warbla. Je trouve ça génial. Donc le Warbla, pour ceux qui ne savent pas, c'est un matériel fait pour faire des armures, entre autres, et des props. Je ne sais pas qui l'a posté. Est-ce que la personne est là, dans la salle? Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je lui dis bravo, parce que ça m'a vraiment fait rire. Vraiment, vraiment. Ça vous a fait rire aussi? Un petit peu? Ouais, c'est sympa. C'est une blague de cosplayer, hein. Hashtag blague de cosplayer. Hein. Alors voilà, donc voilà, on met les petits panneaux Warblack qui nous offrent des lots et on les avait pas mis un petit peu avant. On continue cette fois avec... Ouh, voilà. Un chevalier de la mort de World of Warcraft. Bah, c'est parti, on l'applaudit. Chevalier de la lame d'ébène, avancez! Nous devons sécuriser les portes de la citadelle. Notre champion est arrivé! Redoublez d'efforts et repoussez les troupes du roi Lich! Vétérans, en formation, nous allons faire une percée! Défendez cette ligne de front! Champion, attention! Il va en retraite! Exterminez-les! Champion, la voie est libre! Frayez-vous un chemin dans la citadelle et mettez un terme au règne du roi Lich! À vos ordres, généralissime. Tu l'as entendu toi aussi, roi Lich. Shadowmourne est affamé. Allez, cette fois, on continue avec un film d'animation des studios Ghibli. Généralement, un des plus populaires, il s'agit de Princesse Mononoké. Donc, ils arrivent sur scène dans quelques instants, je vous demande de les applaudir bien fort, merci. C'était il y a bien longtemps, dans une contrée lointaine, jadis recouverte de forêts. En ce temps-là, l'esprit de la nature veillait sur le monde sous la forme d'animaux gigantesques. Hommes et bêtes vivaient en harmonie. Mais les siècles passant, l'équilibre se modifia. Les rares forêts que l'homme n'avait pas encore saccagées furent alors protégées par des animaux immenses qui obéissaient au grand esprit de la forêt. C'était là le temps des dieux, le temps des démons.
Merci beaucoup. On va repartir dans les temps anciens, là où certains d'entre vous n'étaient pas nés. Dont moi, bien évidemment. Très crédible. Il s'agit de la série Okuto no Ken. J'étais sûre que j'allais entendre des bruits virils. Dans la version française, alors, c'est Ken le survivant, vous savez, de l'enfer. Le gars, il tue à peu près tout le monde, tranquillement, juste en clignant des yeux. C'est assez magnifique. Et là, on a le personnage de Jaggy, ou Jagger, en version française. C'est un cosplayer qui est là depuis des années, des années, des années. Je crois que depuis le premier concours de cosplay qu'on fait, il était déjà là. Et là, il a décidé de remonter sur scène. Donc, je vous demande de lui faire un accueil chaleureux. Merci à tous. Jagger, votre petit déjeuner est prêt. Jagger, vous m'entendez ? Ainsi maintenant, tu as vu mon visage. Pourquoi ces hurlements ? Tu as peur ? Oh non, mais ne m'approche pas ! Alors c'est mon visage qui t'effraie à ce point. Tu comprendras que je ne peux pas laisser vivre celui qui a vu ce visage. Pitié, maître, pitié ! Non, n'approchez pas ! N'approchez pas, je vous jure, je ne le dirai à personne, je ne le dirai pas. Pitié, pitié ! Oh, regarde-moi bien. C'est à Ken que je dois ce visage et à la haine que je lui porte. Tu peux comprendre ça ? Non, non, pitié, Seigneur, je ne dirai rien. De muscles et de virilité, ça me rend toute chose. Voilà, l'année prochaine, je vous attends sur scène avec des gros muscles. Parce qu'il y en a, il y en a souvent pour les garçons, mais il y en a très rarement pour les femmes, hein, je trouve. Hein, des cosplayers avec des tablettes de chocolat, merci. J'arrive pas à trouver le mot, j'avais juste le... Alors, on continue avec un gros groupe. Et a priori, il faut un petit peu que je vous fasse attendre parce qu'ils sont gros. Il s'agit d'un jeu vidéo online. C'est des spoilers par là, l'équipe de droite, là. Demain, on fera un battle d'apéro entre public contre public. Là, ça va être beau. Donc, il s'agit effectivement du groupe League of Legends avec... Bah, en fait, je viens de comprendre qu'il y avait les gens qui étaient à ma droite qui étaient fans de League of Legends, en fait. Est-ce qu'il y a des gens là-haut qui sont fans de League of Legends ? Ouais, il y en a quelques-uns. On les oublie toujours, ceux d'en haut, là. Vous êtes si loin de nous. Peut-être que vous pourrez gagner un apéro demain. Peut-être. Comment faire venir du monde ? Alors, parmi eux, Lulu, Jinx, Cartus, Sivir, Janna, Ezreal, Twitch et Annie, gros groupe, qui arrivent sur scène. On attend juste l'installation des accessoires. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Alors, pas à cause des accessoiristes, hein, mais... Je trouve pas ça très stable. Tatou, il reste peut-être derrière. Non, j'ai le souvenir d'un dragon qui est tombé. Souvenir douloureux. C'est bon ? Ça tient, parfait. C'est beau de faire des décors comme ça, avec des touffes d'herbe, ça met tellement en condition le concours. C'est parti, ils sont prêts, le groupe League of Legends ? On les applaudit bien fort ? Allez.
Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Ravie de vous rencontrer. Cool, j'ai hâte d'y être. L'agonie, l'extase, la paix, toutes les morts ont leur charme. Je collecte toujours un péage, en or ou en sang. La puissance du vent est à vos ordres. Bon, Ophélia, tu vois ? Selon vos désirs. Non mais, le bâche ! Ah ! Bon, on va tous se mettre ici, attendre qu'ils viennent, et d'un coup, bam ! On les défonce et on va finir. Oh non, les plans de Fiona, ça finit toujours mal. Tais-toi et dépêche ! Je recommande d'y aller en scintillant. Oh, Ophélia, j'arrive. Le meilleur, c'est incontestablement moi. Les poubelles des uns font les trésors des autres. Ah, on va bien s'amuser. Un avocateur a quitté la partie. Oh, sérieux? C'est Céline, elle a pas mal de problèmes de co en ce moment. Vous vous foutez de moi, c'est ça? Hé, hey, c'est son anniversaire, sois gentil avec elle. Allez, on peut encore gagner, même à 4 contre 5. Un avocateur a quitté la partie. Ok, 3 contre 5. Vous vous foutez vraiment de moi? C'est la dernière fois que je joue avec vous. Bon, maintenant, t'arrêtes de faire ton rageux et tu te calmes. Stop! Allons finir cette game, et en silence. Ah, et Usagi-senpai, c'est toi qui fais la part. Hein. Mais ils sont pas débiles, ils vont pas venir me chercher. Mais si, fais comme s'ils étaient pas là. Comme ça? Réfléchissons. Oh, et puis non, tiens. Oh non, c'est pas vrai. Qui même me suive? Allez, mes poux, en avant. Enelden, attends! Oh, mais elle le fait exprès, c'est pas possible. Maintenant! Passons à l'action. Faites en sorte que ce ne soit pas trop facile. Merci. Allez, on repart sur du cosplay individuel tiré d'un manga culte au Japon, dont un film a été adapté en live très récemment, qui a plus ou moins fait parler en bien ou en moins bien. Il s'agit de Ghost in the Shell. Donc je vous laisse avec le personnage de Kusanagi qui arrive dans quelques instants sur scène. On l'applaudit bien fort.
On continue cette fois avec une série animée assez récente, là, qui doit dater, je sais pas, de 2010 à peu près. Quoique maintenant, en 2017, ça fait un petit peu loin quand même, en fait. Ça commence à être vieux, hein, un petit peu. Hein. Donc il s'agit de la série Blood C. Blood C. Donc voilà, c'est une... Il y a trois fans dans la salle, attention. Donc voilà, il s'agit du groupe Blood C. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup, en tout cas. Donc, bah, c'est pas donc, hein, on les applaudit bien fort quand même, hein. Allez, c'est parti. Merci. On va continuer sur un jeu vidéo pardon, très particulier qui s'appelle Conquer Bad Fur Day. Donc c'est un jeu qui initialement a priori était sorti sur Nintendo 64. Oui, il y a des gens qui aiment beaucoup beaucoup parce que il a je note les notes qu'on m'a données, pardon. Oh. C'est un humour très douteux, voilà ce qu'on m'a dit sur le jeu. Est-ce que les gens qui ont joué confirment la chose? Ouais. En fait, je regarde à droite parce qu'il n'y a que eux qui réagissent souvent, en fait. Mais vous êtes suisse, mais vous êtes tellement gentil que je viens de vous attaquer et vous réagissez pas, genre... Oh. Vous êtes là ou pas, la Suisse, là? Ouais. Ah, est-ce qu'il y a des gens autres que des Suisses? Ah, attendez, je vois pas grand-chose. Mais on aime votre pays, nous, quand on vient. Yeah, hey. Bah oui. Attendez, on a la Belgique. Est-ce qu'il y a des Belges dans la salle? Ouais. Ils sont tous au premier rang, au deuxième. Yeah. Alors, attention, je sais que c'est là qu'on va se faire huer. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Ouais, ça va, ça va. C'est pas que la France est allée plus loin à l'euro qu'il faut rager, hein. Non mais le pire dans l'histoire c'est qu'on s'en fout complètement mais la Suisse est beaucoup mieux notée au classement FIFA que la France. Hein. Voilà, juste pour la... Mais bon,
Voilà. Bon, la Belgique aussi est très bien notée. En fait, c'est ça le truc. On s'en fout, hein. On s'en fout complètement. Bref, on retourne sur le cosplay avec Conquer Bad Fur Day, un jeu extrêmement douteux sorti sur Nintendo 64 il y a quelques années, avec un costume très sympathique qui, a priori, est très ressemblant. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Hurry up, pick me up, shithead. Yeah, cash prizes. Bah, ceci dit, tu peux me tuer, hein. Comme ça, ça me forcera à prendre ma retraite, hein, j'ai envie de dire. La fille qui s'acharne depuis 12 ans. Mais j'ai que 25 ans, hein, retenez-le. On continue, cette fois, avec une série qui a extrêmement cartonné, un animé. J'ai pas compris pourquoi. Je tenais à vous le dire, quand même. Il s'agit de Tokyo Ghoul. Je viens de comprendre pourquoi, parce que ce sont des folles qui sont fans, en fait. Non, je n'ai toujours pas compris pourquoi l'engouement autour de Tokyo Ghoul. Arrêtez de chanter le générique, s'il vous plaît, au karaoké. Ça nous fait beaucoup de mal. Arrêtez. Non, voilà, en tout cas, la série est sympathique, mais effectivement, je n'ai pas compris. Donc, faudra, si vous voulez, on peut s'entretenir plus tard dans la salle Bulle Japon pour m'expliquer pourquoi vous aimiez Tokyo Ghoul, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, expliquez-moi. Donc, c'est parti avec, en plus, cette fois, trois versions différentes du même personnage. Donc, comme ça, si vous êtes fan, vous êtes fan, fan et fan. Enfin, c'est net et précis. C'est parti, je vous demande d'applaudir bien fort le groupe Tokyo Ghoul. Come with me. Yeah!
Merci au groupe Tokyo Ghoul. Ah, il vous a fait 200 roues, des ponts, des saltos arrière. Quand même, les gars viennent gymnastes pour faire du cosplay pour vous, quoi. On continue cette fois avec une série que vous allez adorer, j'en suis sûre. Puisque ça fait un petit peu genre 12 ans qu'on en parle, même voire plus. Eh ben non, c'était non, les Popples. Non, personne connaît. Ouais. Il y a 4 gars qui ont blagué et pour être sûr qu'ils ont plus de 40 ans dans la salle. Non, non, donc effectivement, il s'agit de Pokémon avec le personnage de Léviator qui arrive. Et mais c'est incroyable parce que j'entends toujours plus crier à droite. Mais est-ce que c'est parce que je suis proche de la droite ou... Je vais faire un test au prochain. Je vais me mettre à gauche. Et on va voir qui mérite l'apéro demain. On applaudit bien fort Pokémon. Combat simple. Magikarp. Contre Léviator. Bienvenue dans l'arène, jeune danseur et dresseuse Pokémon. Êtes-vous prêt pour un combat entre Magikarp, Magikarp et Léviator? Waouh! Impressionnant! Et c'est parti pour le combat! Gyarados win! C'est-à-dire, je veux pas dire, mais j'ai entendu le public de droite d'ici. Hein. Non, mais c'est parce qu'il y a 2 ans, vous étiez pouf souffle. Et vous avez pris cher. Et ouais, il faut venir chaque année, parce qu'il y a des histoires chaque année, chaque année. Alors, pour le prochain groupe, vous avez aimé tout à l'heure League of Legends. Ouais, bah, pour la peine, vous avez un nouveau groupe League of Legends qui arrive sur scène. On les applaudit bien fort. Non, non, moi je sais pas ce que je fais là, les designers ils se sont trompés, hein. J'ai rien à faire dans vos trucs de gardienne là. Mais enfin, c'est ta destinée, il faut l'accepter. Jinx, écoute-nous. Comprends-tu que nous sommes là pour protéger le monde? Bon, mais vous faites quoi là? Nous avons été élus, les méchants on les affronte. Purée, ça se met à chanter, j'y crois pas. La lumière en nous est notre plus grand pouvoir. Non mais discuter, ça marche aussi, hein. Sauver l'univers, c'est notre devoir. Bordel, dans quoi je suis tombée, hein. Sois souriante et confiante. Ouais, c'est ça. Notre magie nous rend toute puissante. De grands pouvoirs sommeillent en nous. Avec mes feux d'artifice.
cette magie, ça me rend tellement plus badass. Comprends-tu donc maintenant ta propre destinée? Ça oui, je l'ai compris, et puis c'est décidé. Les paillettes et les cœurs, vous pouvez les mettre où je pense. J'en ai plus à foutre. Moi, ce que j'aime, c'est la violence. Je suis Jinx et pas une Magic Girl. Je vais tout exploser. Décidément, elle n'a jamais rien compris. Mais je suis revenue de mon côté favori parce que. Franchement, pour une fois que la droite peut faire quelque chose de bien. Et c'est les élections la semaine prochaine! Allez! Allez! On continue cette fois avec le meilleur jeu vidéo du monde. Je crois que ça fait à peu près également 12 ans que je le répète. Ça n'a pas changé. Il s'agit, c'est bien, il y a des gens qui savent la vérité. Zelda, voilà, je précise. Il s'agit de Zelda Twilight Princess. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Merci. On continue cette fois avec également une série culte, mais il s'agit d'une version particulière de cette série. C'est Evangelion, pour être précise. Mais il s'agit de la version Petite Eva Witch. Petite Eva Witch. Il s'agit d'une une version chibi, en fait, de la série, mais les costumes sont très sympathiques, vous allez voir, hein, c'est sympa quand même. Avec les personnages de Asuka et Rei qui arrivent sur scène d'ici quelques secondes. Je vous demande de les applaudir bien fort.
Merci beaucoup. On continue. Alors là, on va partir dans un univers, mais complètement différent. Il s'agit du laboratoire de Dexter. Je pense que c'est le genre de cosplay qu'on voit pas souvent dans sa vie. Donc je vous conseille d'en profiter bien, bien, bien. Je crois qu'il y a pas mal d'accessoires à poser. Non, si. Je crois que si, hein. Bon. Bah en attendant que ça arrive, je vais un petit peu vous tester, hein, comme d'habitude. Moi, j'aime bien vous faire crier. En plus, je vous ai pas beaucoup entendu crier aujourd'hui. À part la droite, bien évidemment. Voilà. On va faire un petit test de... On va faire les filles contre... Oh, les garçons. J'attends que mon ramasseur de feuilles... Merci. On fait les filles contre les garçons ? Ok. Alors, je vais commencer galanterie exige, je sais plus le terme, exige, par les garçons. Pour une fois, les hommes, les vrais, tous quoi. Est-ce que vous êtes là ? Ouais ! Y a de la virilité en Suisse. Il y a de la virilité en Suisse. Les filles, est-ce que vous êtes là ? Il y a des hormones en ébullition aussi. Bon, franchement, en fait, il s'est passé un truc quand les garçons criaient. Sincèrement, je crois que ça m'a traversé. Ça fait pfff, tellement c'était puissant et viril. Bon, alors pour l'instant, je vais donner 1-0 pour les garçons. Hein. Et je vous jure que j'ai eu l'impression d'avoir un stade là en ce moment. Là. C'était pareil. C'est magnifique. Donc, on les applaudit bien fort. Les accessoires sont là. Merci d'avoir patienté. Le laboratoire de Dexter.
Et ils sont là, les accessoiristes. Allez, on continue cette fois avec un web anime, donc une série animée sur internet américaine qui s'appelle Ruby. Ruby. Le personnage arrive. Tout de suite, il s'agit d'un candidat solo, d'une candidate solo même. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Unbelievable. Absolutely unbelievable. Do you have any idea what your stunt cost us? I... And don't think I'm just talking about Lien here. Our reputation. Our... I want to leave. I said I want to leave. I don't want to stay here anymore. I don't want to stay in Alice anymore. Young lady, I don't give a damn about what you want. You're not leaving Atlas. You're not to leave the manor grounds unless I specifically allow it. You are going to remain here, out of sight and out of trouble, until you and I come to an agreement on your future. What? You can't just keep me from leaving. I can, and the staff here will make sure of it. On continue cette fois avec un groupe, un petit groupe tiré de la série animée, manga également adaptée. Akame ga Kill. Alors, sincèrement, je suis très surprise, je pensais pas que c'était encore aussi populaire. Mais alors là, agréablement surprise. J'en ai reçu l'auteur il y a quelques années ici. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît.
Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. La photo de groupe tout à l'heure, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, je crois, quand même, dessus. Là, on a beaucoup de gros groupes aujourd'hui. Pour le cosplayer suivant qui arrive sur scène, c'est également tiré d'une série extrêmement populaire qui a également cartonné, cartonné, cartonné. Il s'agit de Fairy Tail. Avec, ça tombe bien, mon personnage préféré en plus qui arrive. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Pokémon, ouais, mais quoi, Pokémon Go, bah oui, là, c'est vraiment symbolique de la série, avec des petits personnages bien sympathiques qui vont arriver sur scène. Je vous demande d'applaudir bien fort le groupe Pokémon Go. Ça y est, l'application est enfin sortie en Europe. Allez, je vais sortir tous les attrapés. Un message. Évite les endroits dangereux quand tu joues à Pokémon Go. Bah, je risque rien. Je suis super attentif. Aïe, saleté de Pokéstop. Pas de commentaires. Bon, ben, j'ai plus qu'à marcher 10 km pour faire éclore cet œuf. Miou, 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 miou. Pas grand chose aujourd'hui. J'ai l'impression d'être suivi. Moi. Ah si, mon radar indique quand même un Pikachu. Mais où est-il? Ils sont bien gentils avec le radar, mais c'est grand le Stravinsky. Ça va pas être évident de le trouver. Ah si, je le vois. Hop. Non, il s'est encore échappé. J'en ai marre. Je ne serai jamais maître Pokémon. Si seulement j'avais un Pokémon assez puissant pour faire des combats en arène. Un Arcanin? Où ça, un Arcanin? Chouette, il est là. Vite, le capturer. Mince, j'ai plus de place. Vite, envoyez les roucoules au professeur Saul. Voilà, c'est fait. Mais qu'est-ce que c'est encore que tous ces roucoules? Il y a beaucoup trop de viande de pigeon à gérer ici. Je vais finir par les faire rôtir pour m'en débarrasser. À nous deux, Arcanin. Et hop. Hein? S'il te plaît, Arcanin. Hop. Non, mais... Mais c'est pas vrai. Allez, mon dernier espoir. Une baie frambie. C'est... Allez, vas-y, 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 vas-y. Oui, c'est génial. Arcanin, tu seras mon nouveau compagnon. Allons attraper plein de Pokémon. Mais qu'est-ce que c'est? C'est rose?
peu près rond. C'est une métamorphe avec une queue? Non, c'est pas possible. T'as une idée, Arcanin? Comment il s'appelait ce Pokémon mythique? Pew? Mew. Pew? Mew. Ah non, ça y est, c'est Mew. Allez, Arcanin, on va le capturer. Non, ma batterie de secours, j'ai plus de batterie. Reviens, Mew, reviens. Attends-moi, attends-moi. Calmez-vous. J'ai juste un tout petit message. Timoros, ça n'existe pas. Juste, petit message. Quand la prestation commence, ce serait bien d'éviter de crier ou de parler pendant que la prestation commence, parce que là, on n'a rien entendu du début de la prestation. Donc, s'il vous plaît, respectez juste un tout petit peu quand la prestation commence, plus de bruit dans la salle. Donc, juste histoire de tester maintenant, qui est Team Bleu ? Ouais ! C'est possible d'allumer la salle 30 secondes ? Parce que là, du coup, je vois pas. Ah, merci. Qui est Team Bleu, pardon ? Qui est team jaune? Ouais. Et qui est team rouge? Ouais. Moi, j'ai un team jaune et team rouge, j'ai l'impression. On continue du coup avec du Vocaloid. Il s'agit également d'un tout petit groupe qui arrive sur scène. C'est parti pour Project Diva X, c'est parti. Mais plus ça avance, plus je me dis que le jury va avoir énormément de mal à juger les prestations. On a un très beau concours aujourd'hui. Sincèrement, de tous les concours qu'on a eu les vendredis, je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment un très, très, très beau concours. Vous êtes d'accord ou pas? Je sais que la droite, elle est toujours d'accord, donc c'est bien. On continue avec... ça faisait longtemps. Du Star Wars. Il s'agit de Star Wars The Old Republic avec un Jedi qui arrive sur scène dans quelques instants. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Ouais.
Jedi Order will never die. Vas-y, vas-y, fais deux, trois photos rapidement. Scott. Vous voulez parler de la team bleue ou... On continue avec du Tau Project. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas entendu parler de Tau Project, mais ça fait plaisir d'en revoir sur scène. Je vous demande de les applaudir bien fort. Merci. Comme je vous disais tout à l'heure, série populaire, bah, qui dit série populaire, forcément, on va en avoir plusieurs groupes de la même série qui vont être présents aujourd'hui. Il s'agit à nouveau d'un groupe Fairy Tail qui arrive. Donc, enjoy the show. C'est parti. Récapitulons, Elsa, tu es le petit point là sur le plan et tu dois aller là-bas. Mais je dois suivre la route ? Je pourrais pas plutôt faire un raccourci en cassant deux trois trucs sur mon chemin ? Non ! Mais c'est pas drôle. Sois un peu sérieuse, Elsa, je tiens absolument à gagner, alors ne fais pas l'idiote. Chef, oui, chef ! Bien. Ensuite, quand tu as vaincu ton adversaire, tu te rends au point B6. Échec et mat ! Ah, j'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Waouh ! Aïe ! Mais... Il n'était pas là avant, ce mur. Yeah!
Oh oh. Non, qu'est-ce que tu vas faire ça? On va être disqualifié. Aïe! Il faut cacher son corps. Vite! Après le cosplayer, on a le cosplayer accessoiriste qui enlève lui-même ses accessoires de scène. C'est très pratique. On aimerait bien en avoir plus comme toi quand même. Hein. On les applaudit encore une fois, c'était le groupe Fairy Tail. Allez, courage, courage, il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passages. On continue avec la jolie... pour une dire de bêtises, infirmière Joël de Pokémon qui arrive sur scène. Je vous demande de l'applaudir bien fort. C'était trop mignon, moi j'arrivais pas à les voir de derrière, mais c'est très très mignon. Allez, page numéro 2. Jeux vidéo. Non seulement d'être géniaux, vous êtes encore plus géniaux, quoi. C'est magnifique. Oui, effectivement, il s'agit d'un groupe mixé de plusieurs Final Fantasy qui va arriver sur scène. Donc c'est parti, je vous demande de les applaudir bien fort. Thank you.
Merci au groupe Final Fantasy. On va continuer toujours dans le jeu vidéo avec le jeu de l'année dernière. Il s'agit de Witcher. The Witcher 3. The Witcher 3 Wild Hunt. Ils arrivent sur scène, c'est un groupe. Je vous demande de les applaudir bien fort. Merci beaucoup au groupe de Witcher 3. On est en retard, alors on va faire très vite. Le prochain participant, participante même, ne serait pas, comment dire, là, s'il ne s'agissait pas d'un concours de cosplay, puisqu'il s'agit encore une fois de Pokémon. Cette année, on en a beaucoup. Je vous demande d'accueillir Ondine de Pokémon. Avec du Vocaloid, plus précisément Alice in Musicland, un groupe qui arrive sur scène. Je vous demande de les applaudir bien fort. お話をしよう。
J'en profite pour faire passer un petit message pour les cosplayers qui sont dans la salle. Il y a aujourd'hui, ce week-end, on a invité une cosplayeuse qui s'appelle Luciole, qui est française entre autres, mais qui est sympa, qui fera une conférence donc, dans la salle de Bulle Japon à 16h. Donc si vous voulez un petit peu connaître, surtout les filles, je dirais, surtout parce que ça touche beaucoup à la couture, elle fera une petite conférence donc, dans notre salle à 16h. C'est une très 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 bonne cosplayeuse pour info. Non mais si vous avez envie d'aller apprendre à faire des jupes Sailor Moon, allez-y. Hein. Je ne vous juge pas. Allez, on continue. On reste un groupe et deux individuels, puis la photo de groupe. On va essayer de faire très vite. Je vous demande d'accueillir bien fort le groupe Love Live. De la vidéo. Ouais.
bravo, merci au groupe Love Live. Allez, on va bientôt clôturer ce concours de cosplay. Il reste plus que deux participants solo. Ah, c'est bien, il y en a qui ont appris la leçon la dernière fois. Il ne reste plus que deux participants solo. Allez, c'est parti avec du Final Fantasy VII Advent Children. Je vous demande d'accueillir le personnage de Yuffie. C'est parti. Bah, elle l'a fait là, ou elle l'a fait deux fois. Elle l'a très bien faite en plus. Mieux que moi. Alors, je vous assure que si aujourd'hui je fais la roue, il y a les urgences qui arrivent. Hors de question. C'est non. C'est non. Non, mais alors là, franchement, non. Allez, 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 non, peu importe, franchement ça fait des années, non. Allez, on finit, juste avant je tiens à remercier toute l'équipe technique du Stravinsky qui a fait un boulot formidable aujourd'hui, franchement avec les lumières, le son, tout ce qui est. Je voulais vous remercier, vous le public, vous avez été génial jusqu'à maintenant. Mais il y a des claques qui se perdent, hein. Également, bien évidemment, toute l'équipe de Bulle Japon et les accessoiristes qui depuis tout à l'heure courent dans tous les sens. Allez, on clôture et après il y aura la photo finale. Je vous demande d'accueillir Ahsoka Tano de la série Star Wars Rebels. C'est parti. Ahsoka, pourquoi es-tu partie? Où étais-tu quand j'ai eu besoin de toi? J'avais pris une décision. Je ne pouvais pas rester. Tu t'es montrée égoïste? Non. Tu m'as abandonnée. Tu m'as déçue. Sais-tu ce que je suis devenue? We'll be right back.
le concours. Ah, vous êtes relou. Franchement, l'apéro, c'est 10 fois mieux, quoi. Ah bah oui. Bah, rendez-vous demain. Rendez-vous demain, il y aura des apéros à gagner. C'est parti pour la photo de groupe. Merci à tous. Et je vous donne rendez-vous demain pour le concours individuel. Et tout à l'heure, il y aura la remise des prix dans la salle Miles Davis. Bah, je pense qu'on peut les applaudir encore une fois. C'est parti. Nous allons avoir la chance de recevoir l'acteur américain Derek Cecil. A tout de suite. Salut la caméra, salut public, salut Pony Manga.